علي 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 علي. اس بات پہ کیوں کہیں نہ کرے فخر موالی, سوچا نہیں بس ہم نے تو مانا ہے علی کو. بتلاتی ہیں یہ کعبے میں موجود دراڑے, اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. مسجد بولی مولا مولا, ممبر بولا مولا مولا, مسجد بولی ممبر بولا. ایف سی پی جی کومون کومون موچی ویسے بدے لائف چلے جا تین کو بولو ادھر Parler, quel chinois mouga peut-être? Mix, il a un bout entier. Santé, bédé. Ici, c'est Paris. Ton dernier équipe, c'est Jerry. Et ben, tiens, ça peut hébergement. Leicester, 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 Jerry. On est bas chauffeur à battre, passer tu le baguette à l'acné chauffeur à diavion. Ni attend jara klambo ata immigration ma ça c'est vrai mais là na kagere bolo ha menu se khabar se se inshallah biryani che to to biryani ke ni live is there ukrani ke bakrani ukrani. Non, prénom. Qu'on a ça pour goalkeeper, qu'on a ça pour. Pas de goal dans cette là. Absent. Alain. Poisson, poisson c'est l'attaquant. Poisson c'est Zlatan. Zlatan, voilà. Non, je suis au milieu s'il vous plaît. C'est comment Zlatan? C'est à la pétanque que t'es mis. Podiatili, bienvenue à Londres, Podiatili, bienvenue à Londres, Podiatili, welcome to London. Bien passé le voyage. Ouais.
G-W-E-N-D-O-L-E-N. Nickel, c'est bon, on arrive. Looking after the whole of MAMT for Leicester, that's the big boss there. We want to welcome you all to the tournament and we hope that your stay here is good. If you need anything, please feel free to ask us and we're happy to help you. That is the Wi-Fi password. Everything in Al Zahra Center, that's the center that you're going to be sleeping in. There's air beds and everything. If you need anything, just give us a ring and we're here to help you. And we try and make your stay as comfortable as possible. Thank you very much. And tomorrow morning, Hasnain, what time is it tomorrow morning? Half past 7 a.m., 7:30 a.m. If everybody be ready, you'll have minibus taking you to the venue, two trips, yes? Okay. I think there's about 30 of you, is that right? Yeah, 30. So two trips to the venue and everything will be ready for you then. Okay, breakfast, everything will be served at Gold's. Hot breakfast. Okay. Well, thank you for everything. Thanks a lot. No problem. Can we take the coffee at night, huh? C'est bien que ceux qui le connaissent bien lui envoient un petit message parce qu'il était vraiment pas bien. Il est vraiment dégoûté de ne pas pouvoir venir, donc voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Il va me tenir au courant, donc je vous tiendrai au courant. Donc voilà, en tout cas, on a eu ce problème-là. Du coup, voilà, il faut qu'on prenne des décisions. Il faut qu'on puisse avoir toujours des équipes compétitives, comme ce qu'on avait dit depuis le début. Et du coup déjà, par rapport à cette absence, il fallait pallier cette absence par une autre personne. Et donc déjà, il y aura un inscrit en plus de ce qui était prévu de base. Donc cette personne qui va rejoindre le groupe pour le foot, c'est donc Joël. Donc Joël, on lui a dit de prendre ses affaires, t'as toutes tes affaires, c'est bon. Chaussettes rouges, c'est bon ou pas? Chaussettes rouges, c'est bon. C'est bon, parfait. Donc on a... Comment? Maillot. Maillot on a. Maillot on a en robe, donc on te passera... Donc, Djouad, lui, il va intégrer l'équipe numéro 3. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on avait prévu. Et donc, Zamir vous a expliqué un peu comment on a procédé depuis le début. Enfin, je vous ai dit un peu voilà, comment on voulait faire la sélection cette année. Et donc, Zamir va vous parler de ça un peu plus en détail. En fait, au niveau des choix des équipes, on a vraiment séparé les joueurs de champ et aussi les gardiens. On a mis en place déjà une hiérarchie sur les joueurs de champ. Ça sont les équipes en niveau 1, 2 et 3, mais aussi les gardiens. Donc il y avait un gardien par équipe. Donc, le premier gardien de l'équipe, c'était Alan, ensuite Asnel, et l'équipe 3, Irfan. Maintenant, malheureusement, comme Alan n'est plus présent, on était obligé de conserver cette hiérarchie qu'on avait mis en place, c'est-à-dire favoriser l'équipe 1 pour qu'elle soit la plus performante possible. Donc avoir au moins un bon gardien avec l'équipe 1. Donc ce qu'on a fait, c'est simplement, on a remonté le gardien de l'équipe 2, qui ira dans Asnel, ira jouer avec l'équipe 1, et Irfan Sivji, qui était le gardien de l'équipe 3, jouera pour l'équipe 2. Ça pénalise plusieurs joueurs, ça pénalise et l'équipe 2, et l'équipe 3, mais aussi l'équipe 1, parce qu'Alan, il a vraiment un très bon niveau dans les cages. Ça pénalise tout le monde, mais on est obligé de faire un choix. Il y a des avantages et des inconvénients partout, on ne sera jamais content. Mais maintenant, il faudra faire avec. On a essayé d'être le plus objectif possible et de faire en sorte que chaque équipe s'en sorte le mieux, tout simplement parce qu'il y a MHD qui est dans l'équipe 3, dans notre équipe, dans notre équipe de 5. Il y a MHD qui représentait l'équipe 3.
Zemir et Arzu qui sont dans l'équipe 2, et moi et Sten qui sommes dans l'équipe 1. Donc, à partir de là, on s'est dit, voilà, cette décision, elle est importante à prendre, mais voilà, on a voulu pénaliser personne, et à l'unanimité, on a pris cette décision. Donc, moi, ce que je veux que vous sachiez, et que, voilà, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, on n'a pas fait ça pour pénaliser une équipe. C'est un truc qu'on ne voulait pas, enfin, qu'on n'avait pas prévu. C'est quelque chose qui nous pénalise. Donc, en fonction de ça, on a dû prendre des décisions en essayant de faire en sorte que ça pénalise un minimum chaque équipe. D'accord ? Donc, c'est le truc le plus logique qu'on a trouvé à faire. Depuis le début des entraînements, on a été hyper transparent là-dessus. On vous a dit que cette année, on veut changer le format. On va être plus compétitif. Donc, que logiquement, quand on va être plus compétitif, il y aura une équipe, une qui sera au-dessus, une équipe 2 un peu en dessous, et une équipe 3 encore un peu en dessous. Donc, forcément, s'il y a un problème dans l'équipe 2, il sera allé piocher dans l'équipe 3. Et là, comme il y a un problème dans l'équipe 1, on va piocher dans l'équipe 2. D'accord ? Donc, on a suivi cette logique. Maintenant, encore une fois, il n'y a jamais une décision qui sera comprise à l'unanimité, et on l'entend bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre pas plus de 2 minutes à notre place. D'accord ? Je pense qu'on est tous les 5, et on l'a prouvé à de nombreuses reprises, des personnes qui pensons d'abord pour les autres avant de penser à nous. Et je pense qu'on vous l'a assez prouvé pour que vous nous fassiez confiance à ce niveau. Vous savez aussi qu'on est intègre, quand on discute entre nous et quand on fait des choix d'équipe, on ne fait pas ça pour se mettre nous en avant. Je ne dis pas qu'on est des saints, on a aussi nos défauts, mais à ce niveau-là, faites-nous confiance sur rien, mais faites-nous confiance sur ça, sur notre intégrité et sur le fait qu'on pense toujours collectif avant de penser individuel. Ça, j'espère que vous nous faites confiance. De toute manière, je pense qu'on vous l'a prouvé à plusieurs reprises quand même. Donc j'espère que ça va continuer. Et voilà, maintenant, il y a certaines personnes de l'équipe 3 qui vont dire que ça va les pénaliser, d'autres de l'équipe 2 qui vont dire que ça va pénaliser. Nous aussi, de l'équipe 1, ça nous pénalise. Même si, encore une fois, on dit pénaliser, le mot est fort, mais parce qu'on parle d'Alan, Alan qui est au-dessus de nous tous par rapport à ce poste de gardien de but, c'est pas dégueulasse. Ce qui suit derrière, il y a Asnen, il y a Irfan, etc. Donc c'est pas non plus la catastrophe. Quand on dit pénaliser, c'est pas péjoratif pour le deuxième et le troisième gardien, mais il faut utiliser les bons mots et voilà. D'accord ? Donc en tout cas, j'espère que vous nous faites confiance à ce niveau-là, que si jamais il y en a qui le prennent peut-être un peu mal, eh ben vous nous pardonnerez parce que c'est pas facile d'être à notre place. Vous ne croyez pas que c'est un cadeau qui est facile à assumer. C'est plutôt un cadeau empoisonné de choisir pour des personnes comme ça, pour un tournoi comme ça. Donc voilà. On a fait notre maximum pour être le plus compétitif possible, pour que tout le monde se sente bien au sein de son équipe. Maintenant, malheureusement, ce genre de contretemps, on ne peut pas le prévoir. On est obligé de réagir. Et voilà. Et ça, c'est notre décision. Donc voilà. Et on l'assumera jusqu'au bout. Qu'on soit critiqué ou pas, on l'assumera. Ça, vous pouvez en être certain. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Can you say in English, please? Right. Sorry? Can you repeat in English? Oh, in English now. Okay, no, so... Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, prêt pour le tournoi? Ah, prêt. Motivé. Bon, motivé. Ah. Inch'Allah. Inch'Allah, toi. Vive Paris. Okay.
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hu Anil Ismail chu. Askari bhai che Leicester Jamaat manti. Hu Hussaini Ostaz ma management ma chu. Apre fine gothavya che tournament ane apre badane welcome kariye che. Ji. To aaj shanivar na goals ma football che ane badminton che Crown Hills ma sav najik che. Ane bo fine program banaya che. Gujarati joke che kale tamara mate Paris wara mate khas. પછી આ જે ફ્રીસ્ટાઈલર આવે છે ફૂટબોલ ફ્રીસ્ટાઈલર એ શો છે પછી આપણે એક બોલ લીધા છે એમાં એક ચિપ છે તો તમે કિક કરો ને તો એપ ફોનમાં આવી જાય કે કેટલું ફાસ્ટ ચાલ્યું સ્પીડ અને સ્પીડ ગન મારફત પણ બોલમાંથી ખબર પડી જાય કેટલું વિડ્યું ને ક્યાં વિડ્યું ને એંગલ ને બધું અને જે ફાસ્ટેસ્ટ કિક કરે ને ઓલા કને 50 pounds મળશે તો આજે ઘણું મજા આવશે ઇન્શાલ્લા વરસાદ ના પડે બધાને મજા આવશે અને બધા પાછા સહી સલામત ઇન્જરી વગર ઘરે પહોંચી જાય ચાલ ઇન્શાલ્લા તો કઈ કઈ જમાતોમાંથી અહીં આવવાના છે ને ટોટલ કેટલા હશે શાયદ પ્રો પ્લેયર ને બધે આજે ફૂટબોલમાં 500 to 550 હશે અને બેડમિન્ટનમાં 200 છે જી અને અબાઉટ 300 સ્પેક્ટેટર્સ છે તો અબાઉટ 1000 માણસો છે આજે અને જમાતમાંથી 13 જમાત છે બધા મને હમણાં નથી યાદ પણ 13 જમાત અને ઇન્ટરનેશનલ જે છે તમારા અને સ્વીડનમાંથી અને યુકેમાંથી અબાઉટ 11 છે જી તો તમે લેસ્ટર જમાતમાં છો કે તમે ક્યાં જમાતમાં રહો છો હું લેસ્ટરમાં રહું છું અહીંયા 10 મિનિટ દૂર જી હા માશાઅલ્લા તો આપણા બાજુમાં ચાચા છે ને પણ પૂછે સલામ અલૈકુમ વાલેકુમ સલામ હા તો તમારું નામ પહેલાં બતાવશો તમે ક્યાંના તમે ક્યાંનો જન્મ થયો તો મારું નામ ગુલામ અસ્કરી મોમિન છે જી અમે અમદાવાદના રહેવાસી છે હા તો તમે અહીંયા આ જમાતોમાં છો લેસ્ટરની જમાતમાં છે જી તો આપણી આ જે જમાતો છે લગભગ કેટલા હશે આપણા જમાતના અંદરમાં જમાતના અંદર સભ્યો લગભગ 600 માણસ છે 600 છે માશાઅલ્લા માશાઅલ્લા તો બસ અમે રાજી છે કે માશાઅલ્લા તો મોએ ઇન્વાઇટ કર્યા અમને અહીંયા પારિસ જમાતને ને અહીંયા માશાઅલ્લા બસ આજે અમે છુટ્ટી છે હોલીડેઝ 3 દિવસ અહીંયા માશાઅલ્લા તમારી સાથમાં રહેશો અને બસ તમારો શુક્રિયા તમને તમારી સર્વે હાજતો ને પૂરી કરે અને તમને જ્યારે માસુમીને ઇસ્લામ નસીબ કરે ઇન્શાલ્લા શુક્રિયા તમારો ખુદા હાફિઝ છે આજે હમણાં ફૂટબોલ છે અહીંયા વેન્યુ ગોલ્સ વેન્યુ લોકો 10 ફૂટબોલ પીચીસ છે પછી અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ક્રાઉન હિલ્સ છે જ્યાં આજે બેડમિન્ટન પણ હશે ને કાલે ચાર વોલીબોલ હશે ને પછી મંડેના વોલીબોલ ને ટેબલ ટેનિસ તો અહીંયા આખું સાઈડમાં ફૂટબોલ છે બેડમિન્ટન વોલીબોલ ને ટેબલ ટેનિસ ને આજે બીજે જગ્યા બાદ અડધી કલાક ની ડ્રાઈવ ગોલ્ફ પણ આજે છે ઇન્શાલ્લા આજે મેઇન દિવસ છે ને આજે મજા આવશે બધાને પાર્ટિસિપન્ટ તો આપણે છે અહીંયા લેસ્ટરની જમાતમાં છે અહીંયા ને આશરે લગભગ કેટલા આવશે આજે ટીમ ની બજેટ ટોટલ આજે ફૂટબોલ વાળા ને જે સ્પેક્ટેટર્સ 800 જણા આપણે એક્સપેક્ટ કરે છે ને બેડમિન્ટન બીજા 200 જણા 1000 માણસો આપણે એક્સપેક્ટ કરે છે ઇન્શાઅલ્લા ખાસ કરીને જે ટુર્નામેન્ટ છે એ મરહુમ મુલાસ્કર ના નામ ઉપર છે તો આપણે જરૂર તેને સુરે ફાતિયામાં યાદ કરીએ કે માશાઅલ્લા જે મુલ્લા સાહેબ હતા એ ઘણી ઘણી જમાતોમાં આવેલ છે ખાસ કરીને મડેગાસ્કર જમાતમાં તો તેઓ ઘણું આપણું કોમ માટે તેઓ મજાલીસો વગેરે તો તેઓને આપણે સુરે ફાતિયાથી યાદ કરીએ અને આપણે દુઆ કરીએ કે તેઓને અલ્લાહ માબૂદ અને જન્નતમાં અલી દરો જઈને યાદ કરે ઇન્શાલ્લા આપણો મારા અંકલ મરહુમ ઓનલી દામજી જે MAMT નો મોટો ઓર્ગેનાઇઝર હતો જે પણ 7-8 વર્ષ પહેલા મરહુમ થઈ ગયા છે તો એના પણ સુરે ફાતિયા પર અલ્ફાતે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ
તમારો બહુ બહુ શુક્રિયા કે માશાલ્લાહ તમે આજે બધે આવેલા છો, તેઓને તમે હેલ્પ કરો છો, તમે મદદ કરો છો, તો બસ જરૂર અલ્લાહ તમને આજે તમારી ખિદમતો છે ને કબૂલ કરે. અને ગયા વર્ષે પણ માશાલ્લાહ અમે આવેલા હતા, તો તમે ઈજ હતા કે જો અમને વેલકમ કર્યા, મદદ કર્યા, ઇન્ટરવ્યુમાં તમે ભાગ લીધેલા હતા. માશાલ્લાહ તે સર્વે વિડીયો બધે યુટ્યુબમાં તમે જોઈ શકશો. અને બસ આજે આપણો પહેલો દિવસ છે ને, હમણાં થોડીક મુદતમાં ઇન્શાલ્લાહ નાસ્તો, પહેલા નાસ્તો થી શરૂ થશે, પછી ઓપન સેરેમોનીઝ છે, પછી ગેમ શરૂ થશે. અને આખરમાં આપણે કોવિડ વાર પણ ખુશ છે કે તમે પેરિસ વાળાથી પાછા આવ્યા છો, ઇન્શાલ્લાહ તમારી મજા આવશે અહીંયા લેસ્ટમાં પણ. જી હા માશાલ્લાહ, બસ તમારો શુક્રિયા. તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સર્વે બધે પ્લેયર બધે ટીમ સર્વે ટીમો બધી આવી રહી છે, જુદી જુદી જમાતોની. અહીંયા યુકેમાં છે આપણે લેસ્ટર જમાત, અને જ્યાં પારિસની કિપતિ ગઈકાલે આવેલી હતી ગઈકાલ રાતના. અને આપણે બે આચવેરે હતું કે સિક્સો ફેમિનિન છે, અને સિક્સો ઓમ, અને લગભગ 50 જણા આવેલા છે ટોટલ. માશાલ્લાહ આપણે બધે જોયેલ છે, દેખાઈ રહ્યા છે સામે. What are the guys up for? They will have some talk.